Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Dr. Fang pour un nouvel épisode de Starfield. On se refait la petite base là, c'était cette petite base là. On peut pas voir la carte du monde? Ah non, on peut pas voir la carte du monde. On va faire ça. Cool. Me montrer? Ça marche pas? Ah. Bon, bah ça marche pas, on est par là, voyez-vous. Faudrait zoomer, on est... Bon bref, on est par là. Très jolie carte, magnifique. Bon. Est-ce qu'on peut passer en dessous du niveau de la fenêtre? Pas tellement. Hein. Ça marche pas leur truc, hein. T'as rien dans le ventre. Dave n'a plus besoin de rien dans l'autre monde. Oh, c'est clair, hein. Bon. On s'abandonne. Je ne lâcherai rien. Ça, je prends. Il y a un truc là. C'est un dossier, je le prends aussi. Je prends tout. Tout est à moi. À moi, j'ai dit. La toxine aussi. J'ai dit tout. Dans le cul, Lulu. C'est toi qui as choisi de mourir comme ça. Mettez-lui la pression. C'est fini pour toi. Ça va mal finir pour toi. Oh, un gobelet écrasé, vous avez écrasé un gobelet. Vous êtes des sauvages, vous méritez que ça de mourir. Dynamite ce jeu, hein. C'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Un pillé, finalement, ne redevient qu'un honnête citoyen, j'en trouve un problème. Ça c'est pour moi, Bibi. Tac, 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 tac. Eh, ça va être l'endroit où je vais pouvoir trouver une cuisine, ça. Ouais, pas tout compris. Mais on s'en fout en même temps. Parole de cadavre, on s'en fout. CJ, on s'en fout. Au moins une dalle de béton à la place. Les morts n'ont pas voix au chapitre, c'est bien connu. Pourquoi vous vous embêtez? Alors, à transporter tous ces trucs? Bien sûr, les nécromanciens tentent de toujours prouver l'inverse. Insupportable, les nécromanciens, définitivement. Ça rentre pas là-dedans. Ça rentre là-dedans, hein. Easy m'amène même. Comme ça. Et ça nous fait claquer un peu. Ouais, je suis d'accord. Allez, ça, admettons. Il y a un potentiel. Inutilisable potentiel. Attends, je suis emmerdé là. Je vais devoir claquer mes deux. Je crois pas à une bonne résolution. On peut tenter d'y croire, hein, mais... En plus, il a pas l'air d'avoir plusieurs positions, lui. Ça a l'air d'être un peu ça ou rien. Et donc, on est coincé. C'est toi, si je te plante, ça va être pareil. Ah, t'as... Il me reste ça. Ok, non, c'est bon, ça passe, ok. Je l'ai pas convaincu de ouf. L'antimicrobien, des flingues. Un AA99. Oh, ça a l'air sexy, ça. Oh, je veux essayer ça. Oh, je veux jouer avec ça. Oh, je veux jouer avec ça. Oh, il y en a un deuxième, là. On peut lire ça?
Ok, liste de contrôle de la réserve. Des articles suivants appartiennent à l'équipe de sécurité. Toute utilisation non autorisée sera sévèrement sanctionnée. Tout rempart doit être enregistré et rendu avant la fin de la journée. Fusil d'assaut AA99x2, un solstice combat tech, couteau de combat de l'UC x5. Contactez-moi dès que possible s'il manque quelque chose. Ça ne devrait même pas être une possibilité. Ça ne devrait même pas être une possibilité de se dire oui, alors si jamais il y a une petite grenade là. qui disparaît. Pensez à me laisser un message. Non. Alors, comme ça, c'est pas mal comme flingue, la légende raconte. Ils sont où les... Alors déjà, moi, j'utilise ce truc. Qui met du 74 dans la gueule. Et les autres, c'est des AA-86. Ah oui, non, ils sont moins bien. Ah, il est en train de me dire, ouais, non, c'est plus mieux... Arrête ton charbonneur. Par contre, vraie question. Est-ce que mon fusil de grand-père... Ouais, il tarde 3 dégâts de plus. Oh, ouais, on peut économiser les munitions de celui-là. Ok. Alors déjà, on fait une première sauvegarde. Oh, c'est géré. Demain de maître, hein, même. Hein. C'était absolument rien du tout, frère. Oh, ils ont écrasé des gobelets. Et ils étaient propres. C'est vraiment des voyous. Oh, attends, je peux faire les poubelles, là. Ouais, oh, attends, ma passion, hein. Oh, ils ont jeté un gobelet. Non, mais... Ils sont fous, ils savent pas à quel point ça se réutilise. Et je parle pas de le recycler, hein. Je parle déjà de le réutiliser hein. En l'état. Oh, du café. Du café. Putain, du café, quoi. D'ailleurs, une petite gorgée de café, toi. Hmm. Et c'est bon. Hop. Oh, ils jettent les gobelets par terre, quoi. Oh, c'est vraiment des criminels, hein. On peut rien en faire, hein. Il n'existe aucune issue favorable, aucune réinsertion possible. Les mecs jettent leurs gobelets par terre, quoi. Et en plus, ils marchent dessus. Non, mais franchement. Et ils les jettent à côté de la poubelle de recyclage. Non, mais faut les tuer. Il n'y a pas d'autre soluce. Moi, j'essaye de réfléchir. Voilà, j'essaye de me dire, non, mais peut-être, finalement... Il n'y a pas, wesh. Juste, il faut que ça meure, quoi. Faut accepter, hein. Ok. Ils jettent même les fourchettes par terre. Non, mais vraiment. Regarde ça, le gars, il a acheté son mid-check par terre, il l'a laissé par... Non, mais vraiment. Il n'y aurait plus d'espoir pour l'humanité, là. Hein. C'est fini, hein. Il y avait un espoir le jour où l'humanité a inventé le gobelet, recyclable, et recyclé. Pas tout de... Hein? Bon, c'est pas tout de dire, ouais, c'est recyclable. Donc finalement, c'est génial. Si tu recycles pas, ça sert à rien. Ensuite, il y a eu une vraie évolution quand le gobelet est devenu 100% recyclé. Voilà, on parle 2000, on est en 2200 déjà au moins. Et là, des mecs écrasent des gobelets? Non. Quelle indignité. Menu de la semaine, vous pouvez le faire. Ah! Je serai sur... donc de Eli Ramos, hein, chef des cuisines, bien sûr. Je serai sur une autre semaine la semaine prochaine, alors tu vas devoir t'occuper de la cuisine pendant mon absence. Je sais que tu n'as pas vraiment l'habitude de gérer ça, mais je sais que tu en es capable. Voilà un exemple de menu que tu peux utiliser pour la semaine. Lundi, faux végétarien. Mardi, tacos, évidemment. Mardi, tacos, hein. Petite blague incroyable. Oh, c'est trop bien. Mercredi, salade Cobb. Jeudi, tourte du berger sans viande. Vendredi, ramen au miso. Alors, une tourte de berger sans viande.
Je sais pas si c'est compatible. Dans ces cas-là, tu mets une tourte du verger. Tout court. Pas du berger, du verger. Voilà. Ramène au miso, disait-on. N'oublie pas de préparer des options vegan pour tous les repas non vegan et réhydrate toujours tes ingrédients à l'avance. Tu vas y arriver. Ah, une tourte de verger sans viande, gros. Je crois qu'on est déjà sur une version. Ah, ou alors quand il veut dire vegan là, vraiment, il se dit ouais, non, mais si t'as mis un œuf, c'est mort, mec. C'est terrible. Qui vole un œuf, vole un bœuf, hein, c'est terrible. Voilà. Bon, les frigos un peu vides, hein. Un peu triste, hein. J'aurais bien aimé ouvrir un frigo ultra plein. Bon, ça aurait été incroyable. Vous transportez assez de bazar ou vous voulez qu'on en trouve plus? Je veux bien qu'on en trouve un peu plus. C'est vraiment. Couplet renversé, non! Avec les capuchons à côté, mais quelle indignité! Mais c'est pas possible de faire ça! Mais c'est d'une violence sans nom! Ah, là c'est bien, c'est rangé ici. Du coup, c'est un peu rangé, du coup, les gens ils ont. Ah, attends, ils ont quand même jeté un gobelet par terre. Y a pas d'espoir hein, pour ces gens. Hein. Voilà, j'ai gagné 5 de transport max, ça fait grand plaisir. On va sauvegarder après ça. Hein. Je pense que c'est le loot le plus important du bâtiment. C'est de trouver le petit magazine qui va bien. Voilà. Alors, surtout qu'on est dans un jeu où on peut rien transporter, c'est quand même un peu fatigant. Hop. Il y a des livres qu'on peut pas ramasser, c'est très. Je t'ai vu. Je t'ai juste laissé. Qu'est-ce qu'on a ici? Juste une porte? Ok, les dortoirs impeccables. Impeccable, c'est ce que je cherche. Je vais quand même pas consommer de la santé, de la vie, de la bouffe. On est trop lourd dans tous les cas. Non, non. On va occuper un lit. On va squatter un plumard. De toute façon, les pillards verront pas la différence, hein, qu'on soit là ou pas. Il suffira au pire de jeter un gobelet par terre et ils penseront qu'on est un pirate. Vraiment, s'ils ont un doute, je marche dessus. Et vraiment, devant leur capitaine, pour être ultra convaincant, j'en prends un propre, un neuf, un non utilisé. Là, le gars, il sait qu'on fait partie des... partie de son crew, quoi. Pour emprunter ceci, oh, dormir une petite heure, vite fait. Vous êtes en forme? Ouais, je suis en forme, tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ok, y a rien de plus. Oh, du PQ! Incroyable! On peut recharger nos stocks. De PQ, enfin, même le carton de PQ, ils ont trouvé le moyen de le renverser. Vraiment, les mecs n'ont aucune dignité, hein, d'aucune sorte. Hein. Tatata, c'est un maelstrom rare, ok. Si tu veux. Pistolet, quoi. Un canard qui fait coin 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 coin. Ah, ils peuvent se bâcher le lit pour éviter la lumière. C'est spécial hein. C'est spatial hein. Ça te laisse pas beaucoup de place pour vivre.
Ouais, t'as envie de leur dire, gros, juste une porte, c'est ou un paravent qu'on peut tirer. On mange pas beaucoup plus de pain, quoi. Alors, un coffre. Admettons. Donc lui m'a proposé lui au départ. Mais ça rentre nulle part ton machin. Tu me rentres comment? Ah comme ça. Ok ouais. Ouais. Oui. Vas-y. Admettons. Ok. J'ai raté le coche là. Ah non, j'ai pas raté le coche. Il rentre où lui? Ah comme ça. Convaincu du projet, ouais, hein. Pas convaincu, ouais, j'étais pas convaincu, hein. J'étais pas, hein, pas, ça rentre pas, ça rentre, ouais, ça aussi ça rentre, ouais, super cool, ouais, et le reste, je le gère comment? Bah voilà, je peux pas. Ok, donc ça veut dire que le tout début, il faut que je le fasse avec... C'est toi que j'ai utilisé de base. Je vais plutôt le faire avec toi là. Je crois que je suis en train de refaire la même connerie. Oui, je crois que je suis en train de refaire exactement la même. Non, c'est bon. J'ai pas fait la même. Amorce lourde à particules. Ok, d'accord. Des cartouches, des credos et un soudeur modifié. Oh bah cool. Ça me plaît ça. Y a rien d'autre à ajouter. La mallette de munitions a été vidée. Très aimable. Oh, bon, on a fait le tour du pâté. Très bien. Ok, formidable. Ici c'est le hangar. Oui, si j'ai récupéré la mallette de munitions ici. Certes. Regardez s'il y a des armes ou des munitions. C'est ce que je fais actuellement. Vas-y, hein. Comment ça, il y a un mec dans le coin? Comment ça? Vraiment, j'ai un bruit de botte qui est pas similaire à celui des autres, là. Il est parti. Il est parti chercher son pote. Relais de communication, ok, très joli. D'ailleurs, je suis en intérieur. Ah oui, mais je suis obligé de le garder pour des raisons d'oxygène. Enfin, peut-être que j'améliore du coup le jetpack que j'ai actuellement, parce qu'il semblerait que j'en ai un peu trop besoin. Pour des raisons évidentes de surmenage. La technique Fallout, hein, bien sûr. On s'installe derrière les caisses, personne nous voit. Très bien, utilisable en l'état. Formidable, je prends. 1, 2, comme ça, tac, c'est magnifique. Celui-là, il rentre ici. Un petit 1, ou un petit 2. Un petit 2, un petit 2. Oui, ben, hop là, parfait. Adepte de l'espace. Nul. C'est nul, mais c'est gratuit. Mais, pousse-toi là, madame. Madame, pousse-toi. On peut accéder par l'aération. Oh, est-ce qu'on a envie de faire des tours dans l'aération? Je suis pas sûr. Faudrait, hein, pour voir s'il y a un truc dedans. Hein. Ouais. Bah, c'est juste une bouche d'aération. Super bien, trop content. C'était une super bouche d'aération, on peut faire tenir un homme debout. C'est vraiment révolutionnaire, les gars. C'est révolutionnaire. C'était plus grand qu'un appartement japonais. J'adore le calibre 12. J'adore ne pas avoir besoin de viser.
Ah oui, c'était l'autre chemin depuis la cantine, ok. De toute façon, il n'y a rien, c'est juste un vulgaire couloir, ok. Vulgaire couloir, couloir vulgaire même. Je l'ai vu, il parle très mal, hein. Vraiment. Très bien. Petite sauvegarde auto. Petite sauvegarde rapide. Petite gorgée de caféine surtout. Voilà. Puis on y retourne, hein. Eh oh, tu te calmes? Non mais quelle agressivité! Contre ça, c'est vraiment un truc, hein, c'est vraiment très très dommage, hein, c'est un truc qui n'a jamais été résolu, qui fait vraiment très sale monstre trésor, jeu de rôle classique. Ce qui est toujours un peu dommage, c'est-à-dire que je tire au calibre 12, hein, j'ai pas de silencieux, j'ai rien, le gars il dit, je crois que j'ai entendu un truc. Je marche, le gars il est dans une autre pièce, hein. Juste je marche, je fais, ah, des intrus, vite, ta 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 ta. Pauvre fou. Des fois j'ai envie de dire peut-être un peu moins de graphisme ou pas plus de graphisme. Parce que quand on fait pas plus de graphisme, on peut faire de l'optimisation de graphisme. Un peu plus d'IA quoi, un peu plus de tu te débrouilles pour avoir un jeu qui a l'air moins con. C'est tombé ces trucs inutiles. Parce que là. Le jeu il a l'air con. Alors là ça tire à balles réelles et pas que sur l'opinion du jeu bien sûr. Ah, il y a encore un truc ici. Excusez-moi. J'avais pas tout dépouillé. Ok. Sans doute. Ouh, level 24, pas trop. Oui, m'a mis cher. Pourquoi j'étais mort là, hein? Vol de médoc modifié magshot. Qu'est-ce que c'est que un truc qui te vole des médicaments? Le mec te tire dessus avec un pistolet qui te choure tes. Te pique tes petites vitamines C, t'as vu? Ton Doliprane, t'avais besoin de ton Doliprane? Bah tu l'as plus là en fait. Peut-être c'est intéressant, je sais pas, hein. Vol de médicaments, c'est peut-être vampire. Bon, c'est pas. Moi c'était déjà une grosse bévue dans Fallout, mais bon c'est pas grave, ils ont remis ça ici, super, vraiment, la mort du roleplay. Ok, j'ai la clé du machin, alors c'est un peu dommage que j'ai la clé du machin, du coup je me suis privé de l'XP de crocheter, peut-être de crocheter ça avant de fouiller les cadavres des gars. Bon bah y'a rien de plus hein. Y'a rien de plus. Très bien. Allons-y. L'autre dirait qu'elle marche dans la terre, quoi.
super bureau. Hein. Il y a vraiment. Alors pour moi, c'est toujours formidable, hein, des dossiers, des classeurs. J'adore ça. Hein. 0, 10, ça vaut 3. Très content, toujours. Hein. C'est vraiment. Surtout, n'hésite pas à aller te faire voir ailleurs. PNJ débile. Voilà. Des gobelets. Le coin machine à café, bien sûr. Tout le loot du jeu est là, évidemment. Le coffre du boss. Ça ressemble au coffre du boss. Dague Osmium. Qui se bat la dague? Pas pour insulter les gens, hein, mais. Mec, il y a une dague légendaire. Super, on est très content pour toi, mec. Oh, le gobelet était rangé dans la poubelle, quoi. Peut-être pour ça que c'était le capitaine, en fait. C'était vraiment un gars pas comme les autres avant tout. Truc sur le bureau ou pas? Non, ça pas là. Carte à jouer. Super. Hop, 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 hop. Ok. C'est tout? Moi j'ai oublié un stylo. Voilà. C'est tout? Non, sérieusement? C'est juste un entrepôt quoi? Ton machin? Ouais, ok, ok, vas-y. Je bats que dash, je bats que dash. Ah oui, donc vraiment dans l'épisode d'avant, je me suis fait trouver la couenne quand j'avais fini quoi. Fait trouver la couenne par leur capitaine tout à la fin quoi. Putain, on a vraiment fait tout le. Bah ouais, écoute. Hein. On monte cantine, on a fait tous les passages. À moins que. Bah non, parce que par là c'est la passerelle. Non? Non, non, on a vraiment fait tout le tour. 100%. Ok. Ok, on ressort de là. Voilà une chose de faite. J'ai envie de dire une bonne chose de faite. Une chose qu'elle est bonne, qu'elle est faite. Café. Ok. Donc ceci étant fait, ça c'était le truc de l'UC machin. On a un repère naturel là-bas et la structure pour évacuer le survivaliste. Moi je pense qu'on va évacuer notre survivaliste. Il y a une énorme différence entre se tenir prêt et transporter trop de choses. Ah, je la connais pas la diff. Désolé. J'ai pas la ref comme qui dirait l'autre. Okay.
c'est le repère naturel, il est déjà ping. Ok, bon. Alors désolé, je fais pas trop de détours. Enfin, désolé, non, je suis sûr que ça vous arrange que je fasse pas trop de détours. Mais ouais, vu qu'on est un peu en maxi méga surcharge. Ah ouais. Hop, hop, hop. Et si. Bien là. N'oblige pas à venir te chercher, hein. Parce que j'hésiterai pas, hein. Je viendrai te chercher, hein. Sur place, tour de contrôle du pipeline, du pipeline. J'ai jamais compris pourquoi on disait pipeline alors que pipeline c'est tellement plus joli. Voilà, voilà, voilà. J'ai tout dit. D'accord. Donc ça c'est un pipeline. Ok, le jeu m'a dit tu grimperas pas. Tout au moins tu grimperas pas par là. Et ça donc c'est le kaffir. Kaffir. Ok, on va évac le personnel, mais avant tout, on va voyager un peu. Hein. La zone a l'air globalement sécure, hein. Les gobelets sont rangés, pour l'instant je vois pas de traces de pirates. Hein. Écrit quoi? iPod de E-Intim. Sûrement une blague américaine. J'ai pas compris mais... Je pousse le jeu dans l'équipe, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est le team building, ouais, 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 ouais. Ok, pourquoi pas. Ah moi les références managériales. Oh les gobelets quoi. Oh ils sont bien rangés, c'est beau, ça faisait plaisir. Ah, comment ça c'est sous les verrous? Frère. Fais pas ça, pas à moi. On est amis. T'es en train de me dire qu'il y a rien qui rentre là? J'ai vraiment tout raté dès le début là, direct. Ok, ouais, certes. Alors, faut que je tente des choses quand même là. Et ça ferait 1. C'est pas possible, je peux pas faire ça. Oh là là, j'ai déjà tout pourri en termes de gaming dès le début là. J'ai pas de 2. Oh là là. Rebrousse le chemin là, on a tout raté. On a tout raté, on a rien compris. Let's go, on recommence.
Si. Si je te mets toi, j'ai un 3 qui rentre. Et je pense que je l'ai. Je pense que c'est lui. Je l'ai pas. Je suis mal. Sérieux? Le jeu trop dur. Trop dur le jeu. Attends, c'est celui-là que j'ai essayé. Non, c'est pas celui-là que j'ai essayé. Du coup, toi, tu rentres comme ça. Et ça ferait du 1, 2, 3. Est-ce que toi, tu rentres comme ça? Ouais, c'est bon. Ok. Puis du 1. Je pense que ça, c'est ça. Et oui, oui, avec... toi, je... avec toi? Ouais, non, j'aurais dû tester mon truc avant. Ouais, c'est ça. J'ai pas... Je suis allé trop vite. J'allais trop vite, mon cowboy. Et toi, tu vas te caler comme ceci. Et il me restera à 1, 2, 3. Est-ce que toi et toi, vous le faites ensemble? J'ai pas l'impression. Toi, tu t'en coches ici. T'en coches comment, là? Ici. Alors que toi, tu t'en cocherais... comme ça. Tac. Tac. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et toi? Toi comme ça. Alors, si toi tu t'en coches comme ça... Ça va pas. Ça va pas, j'ai merdé un endroit là. Encore. Celui-là n'est jamais couvert. S'il est couvert là. Oh là, la misère, hein. Là non. Là non. Ça, ça passe pas, ça, ça passe jamais, et ça, ça passe pas. Donc je vais annuler, il est trop dur pour moi, il y a un truc que j'ai pas... Je l'ai pas capté celui-là. Je me suis merdé quelque part, clairement. Ça, et ça me fait bousiller un 1. Ouais, vas-y, hein, de toute façon, là, il n'y a pas 50 solus, hein. Enfin, tout du moins, j'en vois, revois pas 50 solutions possibles. Ça, de toute façon, ça rentre pas. Ça, ça rentre. Ça, ça rentre pas. Donc, il va falloir qu'on le fasse avec un 3, puis un 1 encore. Eh ben, putain. Ok, est-ce que celui-là, tu rentres? Toi, tu rentres pas. Toi, tu rentres. Et bien évidemment que tu rentres. Excuse-moi, tu rentres comme ça. Et il me faut le 2 qui est ici. Ouais, parfait. Tout ça pour un casque qui, fondez-vous dans l'environnement en mode furtif en restant immobile, galvanisé, plus 25% de résistance à la corrosion. C'est pas mal. Il y a un petit style. Ouais, attends, j'aurais passé un temps là-dessus. Je suis pas sûr que ce soit très légal. Bon, le sommet de la tour. Tout peut encore arriver. Une autre caisse, est-ce qu'il y en a des un peu casse-pieds à utiliser? Ouais, ouais, ouais. Parfait. Je me doute que ça rentre, ouais. J'ai pas de 1, donc il faut que j'utilise 2-2 là-dessus. Bien que j'utilise toi et toi.
Eh, hey, on a accroché 23 des boîtes. Conducteur de Paragmon. C'est un composant rare. Eh ben, et un casque noir. Super. J'adore avoir l'air dark. Si vous portez trop de choses, vous devriez commencer à faire des priorités. Jamais. Jamais. Est-ce que tu m'entends? Jamais. La priorité, c'est tout ramasser, quel que soit le volume. Et encore, il y a des choses que le jeu il m'empêche de ramasser, parce que sinon... Ok, bon bah, la tour... C'était la tour. Ah, et on peut redescendre par là, effectivement, par l'escalier brisé. Est-ce qu'il y a des petites choses cachées sur l'escalier brisé? J'en ai pas l'impression. Savatage de tronche. Il a fait bizarre hein, l'autre. J'en peux plus de tout ça. Bah, t'étais pas obligé de te suicider, la bonne dame aussi. Marrant toi. Oh. On va aller à son vaisseau spatial, à l'autre gadjo, et puis il sera très content. C'est pas mal. Vous m'avez sauvé la vie. Merci beaucoup. Bah bonne chance. Vivre hein. Hors du système est une gageure. Sans vous, je serais plus là. Eh, c'est bien assez d'aventures pour toute une vie. Merci. Il était fort aimable ce monsieur. Bon alors, on a une grotte dans le coin à première vue qui est pas trop loin. Et ça qui est hyper loin. Et ça là-bas... Ouais. Doit bien ah, y avoir quelque une chose grotte que j'ai pas pingée. Ok. Allez, à l'aventure compagnon hein. D'ailleurs, j'ai pas testé le fusil à 9 là. Je vais tester ça. Là. Je vais tester ça vite fait là. Le A machin. Là. C'est quoi ça? Ça c'est nul. Oh, c'est vraiment des idées. Oh, je suis équipé de ça. Un Maelstrom à 21. Ça tabasse rien du tout. Ça c'était quoi? Vol de médoc. Ah oui. Le pistolet qui te tire des médocs. Ça fait quoi ça? Chance que les humains lâchent des kits de soins supplémentaires en mourant. C'est pas très RP les gars, c'est vraiment... Le roleplay a crevé. Hein. Moi je trouve ça très 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 dommage. Hein. C'était déjà... Déjà le double coup dans Fallout 4 m'avait fait pisser de rire. Hein. J'avais déjà bien rigolé. Hein. C'était déjà hyper drôle. Alors là... Là c'est trop. Hein. Ah c'est pas mal hein. Ah c'est pas mal comme pistolet, c'est rigolo. Bon ça vaut pas un coup de 12 hein mais... Ah, par contre il me reste plus beaucoup de balles de 12. Il va falloir que je change de... Effectivement il va falloir que je change mon fusil d'épaule. Là dans l'humour. Peut-être falloir acheter des munitions à un moment donné dans cette histoire. Bah, tu sais quoi, mais en fait, tout simplement, je vais changer de flingue. Hein. Effectivement, je vais me remettre sur un AA. Voilà. Ça a l'air de bien marcher.
On va bratater un peu avec ça. 980 cartouches. On a quelques éléments. Ça a des arguments. Récupérez bien tout ce qui pourrait être utile sur cette chose. On fait, t'inquiète. Hein. Le petit cours d'eau là. Ah, je l'ai. C'est rigolo. Hop, enduit de la bête, du benzène, un bon gros caca. Adepte de l'espace tambour, c'est un fusil rare. Oh. Vas-y, ça donne quoi ce machin? Allons voir. Celui-là. Ah oui, c'est 8. Oh, c'est pourri ça comme flingue. Enfin, c'est pourri, peut-être que ça te balance 2000 cartouches secondes, je ne sais pas. Hein. Peut-être c'est très intéressant. Hein. Ça n'a pas l'air. Hein. Ça n'a pas l'air dingue. Ça n'a pas l'air transcendant même. J'ai tout vu, je pense, hein. Ça va pas beaucoup plus loin, je crois que j'ai fouillé les deux bébêtes ont été fouillées, ouais, c'est tout aussi, hein. ça a été récupéré tout ça, oui, tout a été récupéré, partons d'ici, hop là, bravo, bon, j'ai léché le plafond comme jamais. Ok, on m'indique un méchant sur la carte. Ah, ça y est, en fait, ils ont commencé à mettre des prédateurs à la sortie des grottes. Ok. Pas dedans parce que évidemment, bah, y a pas la place et que c'est ingérable pour le jeu. Par contre, ça a l'air de tirer très très vite mon histoire, hein, mais j'ai l'impression que je claque mes 25 cartouches par 25 cartouches à la vitesse du son. Hein. La grotte, elle est par là à 700 et quelques. Ouf, on s'en fout. Bon, allez. Hein. Vous connaissez la chanson, hein, ça me permet de marquer grotte avec un S dans l'épisode et je suis très content avec ça. Même si l'effet de surcharge commence à être particulièrement désagréable. Je pourrais, ceci dit, vu qu'on est un peu amoché, on pourrait se faire un petit... Une petite collation, hein. Petite collation, là. Augmenter de 35% pendant 2 minutes. Ouais, vas-y, hein. On prend ça. Baguette! Ah non, baguette. On va pas manger une baguette comme ça. Ouais, vas-y, mange ce truc-là. Ça nous allégera toujours un petit peu. Les bières, c'est pas des bonnes idées, voilà. Taux de récupération de 2 augmenté de 8%. Voilà, on se fait ça. On peut se faire, tiens, la version à l'orange, la version au réglisse. 2 points de vie. Non. Un cappuccino. Si. Voilà. Je sais pas si tout ça se cumule. Je sais pas. Je peux pas trop dire. J'ai pas l'impression parce que je vois encore mon oxygène descendre.
n'est pas arrivé. Hein. On n'est pas arrivé. Hein. L'autre est à 400 mètres, on sera encore à 1000 mètres. Wow. Enfin, 1000 mètres, non, j'abuse. Je suis pas marseillais, mais. Bande de masse éloigne, quoi. Hein. Si, on sera encore à 1000 mètres, parce que vu qu'elle est de côté, ouais. C'est bien, on n'est pas en train de crever pendant qu'on marche. Ça, c'est déjà royal, hein. Le benzène. Deux rafales. Hein. Oh, c'est joli. Hein. Joli ce flingue, j'aime beaucoup. J'aime son style. D'ailleurs, il serait peut-être temps un jour que je me spécialise dans l'armement parce que je suis pas non plus. Pas un champion. Hein. Ouais, des bestioles qui volent, qui volotent, qui volassent. Dégueulasses. De l'ur ? J'ai vu de l'ur ! Ur ! C'est là-bas ? Je sais pas où est-ce que j'ai vu de l'ur, mais... Oui, de l'ur, là. Ur ! Non, gardons ça. On va en grotte, hein. Ah, t'as ragdollé, je t'ai vu. Allez. Oh, la caverne à gaz, hein. S'il y a une bestiole dehors, ta-ta-ta, hein. Plus de problème. Voilà. On va ressortir, on va ta-ta-ta, ta-ta-ta, et il n'y aura plus de problème. Alors, on sort là, la petite Louise cache, ta-ta-ta, ta-ta-ta. On peut même la bra-ta-ta-ta-ta. Pas de prédateur ? Un peu déçu. Alors, je regarde dans cette direction pour voir s'il n'y aurait pas un point qui apparaîtrait. Oh, de l'ur.
jusqu'au deux hurons. Double hur en plus. Pas double hur en plus. Zeg, zeg. Ouais, non, c'est un petit troupal qui vit sa vie. L'oxygène est encore en train de baisser. Le taux de récupération est beaucoup trop faible. Me connaissant, je vais être beaucoup trop en surcharge. Muscage. Là, pour moi. Niveau 20 en plus. On lui a mis une bratatate. Terminé à la main, à l'ancienne, hein. L'économie de munitions est réelle, hein. Elle est palpable, hein. Elle est palpable, tu la sens dans tes dents, quoi. Hein. Tu sens que je suis en économie de munitions, y a pas d'embrouille, quoi. Allez, au cours, on se raccroche à la vie. Petite pause. Petite pause, petite pause. Petite pause, into, petit soin. Ah oui, bah oui. C'est l'heure de la deuxième collation. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Cocktail d'antibiotiques, non. Tiens, ça rend des points de vie. Allez, vas-y. Des petites céréales, 4 PV. Dégâts au corps à corps ont augmenté de 5. Ah ouais, c'est quoi, croque au vin, chance de persuasion augmentée de 6% pendant 3 minutes. C'est rigolo ça. Croque steak fromage bien sûr, 4 PV. Ouais non, ça m'intéresse pas. Et on se garde, on sera à la double canap donc. Hein. Voilà. Ah, eau gazeuse. Eau gazeuse c'est de la consommation, donc normalement c'est deux bonus qui doivent s'additionner. Ah c'est pas mal hein. C'est pas mal, regardez, on est relativement statique sur notre conso. On est pas mal, on est pas mal. Des bestioles. Sancticrane géophage. Un autre. Là. Oh, on est vraiment là, quoi. On est en souffrance, hein. Oh. Là. Très bien. Mort trop vite. Ah là, il y en a une autre. Regarde. Et ici. Pas un autre, non? Bah non, c'est tout ce que j'avais buté. Bon, bah ok. C'est votre troupale là. Rapide d'encaisser de l'XP là. Pourquoi aller tuer des gens dans des stations? Cette forme de vie devrait se révéler utile.
Ça, c'est on l'a vidé. Ok. Ouais, du gaz. C'est quoi? J'y suis, hein. Allons-y. Récupérons notre benzène, hein, on y est. J'ai envie de dire. De l'eau 2. Enfin, de l'eau 2. De l'eau tout court, excusez-moi. Décédé, la bestiole. Ok. Carnet de notes. Je veux lire ça. Pour une fois, ça a l'air intéressant. Ouais, il n'y a pas d'effet de glissade sur, sur l'eau. C'est un peu dommage. Ah. Bien, bel et bien morte, hein, ce n'est pas un bug. Il y a quelque chose à scanner. Ah, il y avait un gros tas de caca hein, ici. Attendez, j'aille le looter. 6 fibres. Et pas un seul tigre. Pas de fibre tigre. Je suis dans l'humour. Une sorte de blague dédicace. Bon, il n'y a rien d'autre à explorer, c'est le bout du monde. Ça a l'air. Ça a l'air, ce coup-ci ça a l'air d'être la bonne, j'ai envie de te dire. Ok, très bien, formidable. Voilà. Et voilà, ben ce qui serait formidable, c'est qu'on n'ait plus qu'à se téléporter. Ce qui n'est évidemment pas possible. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. Il y a quand même des nouvelles qui sont bonnes. C'est-à-dire que, bon, globalement, on a analysé une bonne partie de la planète. Bon, à mon avis, il y a des trucs par là, il y a peut-être des trucs encore par ici, là. Là, je pense que c'est quand même... ça a été bien dépoilé, je pense. On va pas se mentir. Tout a été exploré, en plus, à 8000%. Hein. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Il y a une autre face à la planète en plus, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc je vais même pas aller me perdre dans ce désert là débile. Je pense que je vais rentrer moi tout seul hein, à pied hein. Je vais vous laisser pour cet épisode. Et puis on se retrouvera une fois qu'on sera là-bas hein. Hein, hein, on est content. C'est où? On va avoir le point quand même ou pas? Est-ce que je peux avoir le point cardinal s'il vous plaît? Au secours. Alors c'est pas fantassin, c'est doute, je crois, transporter les passagers. Ouais, bah check-moi ça. Hein. Ok, affiche sur la carte. Faut aller à Narion. C'est un secteur connu, ça, en plus. Valo. Ouais, non, laisse tomber. On va y aller à pied. Bon, voilà, c'est bon, j'ai mon point indiqué, parfait. Magnifique. Bon, bah moi, je rentre à pied, hein. Je liquide tout ce qui passe sur mon chemin. J'aurai plus de munitions. Mais on sera un peu refait en termes de pognon. Pour ce, je vous remercie. C'était Gnarfank sur Comme d'habitude Gaming pour Starfield. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.